Ah ouais, hein? Début du live. Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour toi, ma public, je vais faire un petit live bien simple, là. On va aller. Je vais faire un truc. Dans le fond, je vais montrer un petit bout, là, je veux faire ça. Je vais en profiter ce matin. Petit live, ce sera pas trop long. Je vais, dans le fond, expliquer comment faire de minage. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont demandé pour comprendre ça. Ça va être juste expliquer comment on fait le minage à la main. On va hand mining. Fait que c'est ça. Ben, on va commencer tout de suite et simplement. Tout d'abord, vous devez acheter cet outil, le multi-tool. Tu achètes le multi-tool, comme ça. Tu l'achètes dans l'écran si tu veux. Pif, paf, current balance, confirm purchase. Paf, tu as ton multi-tool. Puis, il faut que tu achètes ça. Tu vois là, ici, ça écrit ce que c'est, là. Pas l'oxytorche, le Orbit Mining Attachment. Pif, paf, tu achètes ça. Tu es heureux. Tu es heureux, tu es heureux. Après ça, pif, paf, bing, bang, tu l'équipes. Puis, tu vas avoir besoin d'acheter ça ici. Tu vas dans là, bien sûr, il y a toujours le chat qui gosse tout le temps. Tu vas dans Armure, Torse, puis il faut t'acheter le MacFlex Rucksack Core. C'est un beau petit sac à dos jaune. En fait, il va te servir d'inventaire personnel. Une fois que tu as fait tout ça, comme une grande personne, tu vas ici, tu t'équipes, tu attends que les onglets apparaissent. S'ils apparaissent pas, tu te dis, t'as le cul, je vais le mettre tantôt. Pardon monsieur, j'aimerais sortir. J'aimerais sortir. Ah, et, oups, ça passe. Ça passe-tu? Ça passe-tu? Allez, on passe, on réussit. Ouais, bande d'imbéciles. Là, ouais, il n'y aura pas d'ellipse. Fait que si tu veux voir ça, ben, tu t'avanceras le vidéo. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours jusqu'à ton vaisseau. Tu cours, tu cours, tu cours. Tu cours, tu cours, puis là tu respires fort parce que tu cours trop vite. Là tu cours, puis tu continues à courir. Tu vas pas à l'admin office parce que pas là tu vas aller. Ça retient-les parce que c'est là tu vas aller vendre tes affaires. À l'admin office, à Hurston, ou à Olisa, ou à Finally ready to take Lorville the en fait, plunge on a used ou ship? à Area Swing by the 18, new ou à dealership and earn Levski. exciting deals on all your favorite brands. Tu dis à la madame qui répète toujours la même chose. Toujours la Port même and chose. industry lines. Là, on va courir jusqu'au vaisseau. Parce qu'il y a plein d'autres affaires à faire. Parce que faut que tu trouves une grotte. Welcome to Metro Center. Une Transfer to the grotte. perimeter, spaceport and Puis tu Be considerate to your respires, puis fellow tu respires. travelers. Oh, tu vois, regarde. Pas besoin de te le Stand by montrer and parce let que passengers le disembark gentil jeune before homme ici, boarding. il l'a déjà. Il porte son sac à dos. Puis là, tu lui envoies la main. Tu dis salut. Comment ça va? Moi, ça va bien. Oh putain! On vient de le perdre. Hurston Security Hop reserves the right to là! search travelers On at l'a any perdu. time. Il est tombé en dessous du métro. Ah putain, il va y avoir une interruption de service toute la journée. Ah, le revoilà! Hey! Tu peux y parler aussi. Salut! Petit problème de Next texture, my stop, friend? Tissa Spaceport. You tricky, don't say I've got a shitty. J'espère que ça va pas à la même place que nous. Avec de la fun. Fait que c'est ça, comme je dis, je vais faire juste cette petite vidéo là de mining. Puis après, je vais arrêter le stream. Puis on reprendra après pour un stream normal. Normal, stream normal. Now arriving, Tissa Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Oui, madame. Il gigote beaucoup, lui. T'es un rigoteux. L'autre bord, c'est par ici. Trespassing or S'il me fonce attempting to dedans, trespass je le on tue. train tracks is a serious and dangerous offense. Ouais, mon tabarnak, asti de manie que vous avez de foncer dans le monde. Hurston Dynamics.
Je vais le tuer. Ah ouais. Respire, mon gros. Est-ce que tu respires? Ça prendrait de manger de la poutine sans arrêt, de même. Ok. Fait qu'avant ça, tu vas dans ton F1. Parce que là, faut trouver la grotte, hein? Faut trouver une grotte pour aller miner. Pis ça, c'est pas facile, public. Ça, là. C'est pas facile. Tu vas dans l'investigation. C'est mon petit guide de minage, je vous le rappelle. Ça va être le petit live. Là, tu te dis, putain, comment je vais faire pour trouver cette mine, Lou? Lou, de te répondre, regarde un peu, jeune Padawan. Là, tu vas dans l'investigation, dans tes quêtes. Tu sais pas comment aller dans tes quêtes. T'es peut-être pas dû pour jouer à Star Citizen. Fait que tu vas ici, là. Investigate Missing Client. Investigate Missing Client. Ça, c'est des personnes perdues. Il y en a deux, pour l'instant. Ikaru Shugigarara puis Grant Swanson. Là, les noms changent. Là. Des fois, ça va être Jean-Michel Raming ou quelque chose comme ça. Ah! Okay, là, on va aller sur Burdine. Burdine parce que Kirsten, ça me... Ah, les deux, ça serait Burdine. Fait qu'on va aller chercher Grant Swanson. OK? T'acceptes la quête. T'acceptes la quête publique. T'acceptes la quête. Là, tu te dis... Ensuite, Lou, que fais-je? Où vais-je? Qui suis-je? Là, tu te choisis un vaisseau. Dans ta petite liste de vaisseaux, tu vas aller là à 890 jumps. Ben non, on va pas faire ça public. Voyons, ça serait idiot. On va aller essayer, tiens, un Super Hornet. J'ai pas essayé. On va aller voler avec, ça va être le fun. Retrieve. Que tu prends le... Calice! C'est Arto! Terminanto, bon matin Arto. Ouais, j'ai décidé de faire un petit guide sur le minage rapide. Ça va être mon petit live de 30 minutes si tout se passe bien. Asti, c'était quoi l'hangar 8? C'était-tu 8? Hein? C'était-tu 8? Vite, regarde, il y a un délai dans le chat, dans le live. Putain, j'ai passé tout droit. Ça va bien ce matin? Ça va bien ce matin, Anto? Ah, je suis en bas, attends, je vais aller te rejoindre. Je suis dans le chat. Dans le chat pour garder les intrus loin de moi. Prendre l'ascenseur, je vais dans le vaisseau, je vais changer. On va aller rejoindre Anto. Il est venu sur nous rejoindre sur Discord comme toi, public. Toi, c'est à toi je parle. Focus, Steve, focus! Tu peux venir sur Discord, les liens sont en bas sur la chaîne. Tu peux venir jaser avec nous. Waouh, un beau vaisseau blanc. Manque de bois, mais il est blanc. Je sais pas, je l'ai pas acheté, mais il est dans ma liste de vaisseaux. Fait qu'on va l'essayer. Calice! On prend ici, c'est pas mal là, utiliser l'échelle du pilote. Le plot, fait que je vais aller rejoindre Anto, tout de suite, en embarquant dans ce magnifique vaisseau blanc. Toudoudoudou! On va pouvoir jaser avec Anto un petit peu. Allez, hey, bon matin. Ouais. Ah, on va allumer ça, comme ça. Comme ça. T'appuies sur 1. Ben, 11, là, c'est plus rapide, mais là, j'ai fait 1. Contact! L'Orville Landing Services. You are clear to lift off. Je suis clear to lift off. Là, tu regardes en haut. Allez, ouvre-la, cette porte. Là, tu vois, ça dit, investiguer le missing client, Grant Swanson, go to Aberdeen Cave. C'est d'accord, public. Là, tu prends tes manettes. Tu bouges un petit peu le gaz, comme ça. Psh. Tu poutes ça, mais... Take off complete. C'est toujours la nuit. Dynamics, tu rentres tes pattes. Puis tu crisses ça dans la panne. Raised. Ah ouais, c'est turbo, toute la patente, mon gars. 90 degrés, on décollisse. Warning, tes moteurs surchauffent. Tu dis, whoops, j'ai appuyé trop longtemps sur le petit bouton. Ouais. Stop overheating. Elle était capable. Et voilà. Là, ben, on va se rendre à la grotte sur Burdine. Bonne venez. Pour ça, je te montre comment miner. Je ferme la live. Puis j'en lance un autre après où ce qu'on va faire. Plein de choses intéressantes. Juste pour toi, public. Ouais, ça parle de missiles, changement de missiles sur ton vaisseau et tout. Je comprends rien. Je suis pas un gars de combat. Piu piu!
On va la regarder, voir ce vaisseau-là, mettre le cruise control pour pas. Waouh! Il est beau, par exemple. C'est un beau vaisseau. Mais je trouve qu'il est trop carré. Il est beaucoup carré. Waouh! Conduit par un Stormtrooper. Ne t'en fais pas, Luke. Je vais te retrouver, Luke. Ils sont beaux, les vaisseaux. C'est incroyable, par exemple. Même quand ils sont laids, ils sont beaux. Tabarnak! Star Citizen. Piu piu! Oh! Wow! Nice! Mais il y a une tourelle sur le toit, je peux pas la mettre automatique, elle. Je sais pas, hein. Regardez, hein, 45 000, on a le temps. Qu'est-ce que ça dit, ça? Tout est à on, les guns. Wow! Il y a beaucoup trop de guns après ça. Laser, bulldog, badger, laser, badger, scorpion, laser, badger, pusher, rare. Quoi, c'est tous des trucs à. Eh ben, est-ce que je suis pas bon avec ça? Tu fais ça de combat, mais je suis pas une machine de combat. Piu-piu! Le focus public, là. On arrive en plus, là. Fait qu'on va ralentir, là, pour pas venir fou dans l'atmosphère. En dehors de l'atmosphère. Bref, là, on est arrivé, là. Tu vois, là? Là, tu mets le cruise control, parce que sinon, ton vaisseau va ralentir. Oh, ce qu'on s'en va, loup! Maintenant que tu as trouvé la grotte, je ne l'ai pas trouvée encore. Hostie de carte de marde de dompe! On va sur Aberdeen. Il n'y a plus de planète, c'est du calice. Ah oui, elle est noire, on voit rien. Elle est noire, 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 noire. Noire, c'est noire comme dans le cul d'un ours. Donc on va aller sur Aberdeen. Il n'y a pas de marqueur souvent pour aller sur les grottes publiques. Focus, hein, quand je te parle, là. On va aller sur Aberdeen. On spoule. Spooling. Je t'explique pas comment, parce que si tu sais pas comment faire tout ça, va suivre un cours. Apprendre à jouer. Je vais justement terminer. C'est tout. Calice. C'est tout. Parlant de guide, je vais aller voir des fois si j'ai une requête. Si t'es chanceux. Si tu veux apprendre à jouer plus en détail, tu peux me rejoindre sur Spectrum. Ouais, je suis souvent actif là pour faire des sessions de guide pour apprendre les bases du jeu, le mining, le touring, les missions. Tu vas apprendre à te battre. Je ne suis pas ton homme. Ah, 300 km. C'est magnifique. Là, on va voir s'il n'y a pas un OM. Un petit truc comme ça, juste pour toi. Ah ben, garde-moi ça, toi. Un OM à 410. Puis la grotte est à 307. Fait que si t'es moindrement bon en mathématiques, puis pas besoin d'être Nostradamus, là, ni Hubert Reeves. D'après moi, si on s'en va là, on va se rapprocher d'un bon 100 km, là. Ben, en fait, de 400, mais. La grotte est à 300. Si tu as appris tes soustractions comme il faut, on devrait s'en sortir. Là, si je suis pas fou dans mes histoires, vu que c'est jaune, on voit fuck all. On va essayer de se placer un peu. 162, crescent, pas mal moins payé que 300. Fait qu'on s'en va de même. Là, je te conseille de. What the fuck? Oh, calme-toi. Ah ouais, ok. Ça va bien. On continue là, si t'es pas fou, là, tu vas pas foncer tête première sur la grotte parce qu'on va entrer en atmosphère, puis là, ben, ça va voler beaucoup moins vite. Déjà qu'on vole pas bien vite. On va y aller comme ça. Dans le cut-off, tu crées ça dans la panne, à le pied sur le gaz, vroom vroom, t'embrasses ça, cinquième, on y va. Turbo aussi, ah ouais, engine overheating. Fait que oui, public, focus, on s'en va miner. Va durer 30 minutes, man, je pense, pas plus, dépendamment. Il n'y a rien. Piu-piu, tu tires. Piu-piu, t'es content. T'as des lasers, t'as des balles. Wouhou! Beau vaisseau. Beau vaisseau. De temps en temps, tu regardes. On est rendu. Ah, tu regardes comme ça. Tu le vois dans ton cockpit. 124, toi, ça avance bien, ça avance bien. Ça avance bien. Tu continues. Tu continues de même. C'est laid en esti, le carré de couleur, là, dans le. Tu les lignes jaunes de chaque bord, tu sais, que ça bouge. C'est comme un reflet, mais mal chié. On est où là? 104, oh ouais, hein? On y va, hein? Ouais, tu vas tout apprendre. Tout apprendre avec le loup.
Puis après ça, ben, je vais arrêter le stream, puis je vais revenir après avec un autre stream. On va aller s'amuser Kanto, voir ce qu'il fait Anto. N'importe quoi, chercher des boîtes, tuer des petits bonhommes, faire du bounty. Toujours s'amuser un peu. Fait que c'est ça aussi, je voulais après probablement plus parler de l'expo. On a une belle expo, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus de vaisseaux. Ils sont tous partis. Toutes parties. Toutes, il reste juste que les vaisseaux standards, qu'est-ce qu'il y a d'habitude. 60 km, bon, on va recommencer à... On approche, capitaine. On s'en va là. Piu. Puis, c'est ça, si t'es jamais venu sur Aberdeen, fais attention, le sol vient rapidement. Quand tu rentres dans le jaune, t'es pas loin du sol. Ça, d'habitude, quand j'avertis le monde de même, c'est moi le premier qui fonce dans la planète. Fait que je vais ralentir. Je vais faire attention. Ce serait bien malaisant de planter dans la planète. Planter the planet. Planter la planète. Fait que merci d'être là, mon Terminator RX-24. Je suis un robot. Ah, il va. Tout va bien. Oh, là, on va commencer à surveiller nos actions. À 15 km. Oh, regarde, je vois un peu le sol. Sur la gauche. À tribord ou bâbord. Là, tu vois, là, il y a de la texture de plancher. On va essayer de pas arriver trop vite. Tu peux regarder ton altitude aussi, mais des fois, c'est pas la bonne. Là, j'étais à 10 000 mètres. Ben, ça semble raisonnable. 9, 8, 7, 7, 6, 8, 7, 6. On va ralentir. On fera pas de folie. Je voudrais pas exploser puis prendre une éternité. Fait que ça va être mon petit guide tutoriel minage à la... Bon, le sol est proche. On est à 3 km. On va ralentir. On va faire ça cool. On est bon, on est des pilotes de l'espace. Moi pis Luke Skywalker, même combat. Ok. 1,5 km, capitaine, nous sommes en approche. Nous allons... Train d'atterrissage. Prêt à l'atterrissage. À la luninage. À l'aberdinage. On va aberdinage. Aberdiner. Tu vois ça, mon ami? Regarde-moi ça, comment c'est beau. Là, il y a un marqueur. Il y a un marqueur de grotte. Tu vois que la grotte est mal texturée. Que ça semble un objet ajouté comme ça. À la va-vite. Pif paf, pouf, coupe les moteurs. Descends tranquillement. Allez. Fais-le. Landing complete. Comment take off complete? Quoi tu parles? Je vais pas te décoller, je vais atterrir. Bravo! T'appuies sur I, pouf, coupe les moteurs. Tu laisses le power. Garder des boucliers sur ton vaisseau. Des fois, d'un coup, qui arrive pas un fou sauvage dangereux décide de détruire ton vaisseau. Puis, allô, vaisseau. Je reviens tout de suite. Reste sage. Fait que là, t'arrives comme ça. Le focus public, on va rentrer dans le vif du sujet. Focus, asti, t'as toi, je parle. Qu'on avance. Là, il n'y a pas beaucoup de gravité sur Aberdeen. C'est le fun. Wow, super. Là, si tu te souviens bien, je t'avais demandé, public, d'acheter une arme qui s'appelle le multitool. Tu pèses 4. Pow! Tu sors. C'est magique. Magique. Là, tu rentres, t'appuies sur T. Si tu sais pas comment ouvrir ta lampe torche, va pas d'une grotte. Tu vas trouver ça long en tabarnak. Là, tu vas, tu te dis, ça y est, loulou, je suis dans la cave. Mais qu'est-ce que je dois faire dans cette cave? Oh, je suis un peu claustrophobe. Je vais mourir. Crise de panique. Tu sors en courant. Si tu paniques, tu sors. Là, tu respires doucement. Là, tu te calmes. C'est OK, Lou, je suis prêt. Montre-moi comment on mine. Montre-moi là. Tu vois la roche, là? Ben, t'as la mine, est-ce-tu? Ben non, c'est pas comme ça. Ce serait ben trop simple. Fait que là, le plaisir commence maintenant. Puis là, tu te promènes, puis là, tu te dis, oui, je sors mon œil de faucon de grotte. Parce qu'on sait que les faucons de grotte, ils ont des meilleurs yeux que les faucons de ciel. Puis tu y vas, là, tu check. Mais je check quoi, bordel? Tu check des roches. On est des mineurs, on mine des roches.
Là, je vais t'en montrer. Mais en trouve une, t'inquiète pas, mais on va te la montrer. On est venu ici pour ça. Fait que tu restes focus en attendant. Tu peux aller te faire un café, là, tant que je trouve une roche. Mais t'es mieux de rester là, parce que sinon, tu sais, tu cherches pas des roches au plafond. Si tu cherches des roches au plafond, tu vas trouver le talon dans la grotte, te le dis tout de suite. Fait qu'on y va, on y va, on y va. Il n'y en a pas de roches, loup. Je le sais qu'il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé encore. Tu restes tranquille. T'assis, là, prends ta doudou, là, ta couverte en peau de mouton des montagnes. Tricote en attendant. Ça va être au chaud. Fait frette, ici. Fait frette au Québec. S'il fait frette, elle nous prend des couvertes en peau de mouton des montagnes. Les moutons de ferme, ça marche aussi, là. Mais les moutons de montagne, ils sont plus chauds. Mais tu dis, mais il n'y en a pas de grotte. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bug. Ça, c'est un bug. Ça, c'est pas une roche. C'est une roche, mais une fois qu'elle est pétée, on va voir, on va voir. Okay, on peut pas y ramasser. Moi, il y a un mineur qui a passé puis qui a ragé. Tu peux pas ramasser mes roches. Tu peux pas ramasser. Honnêtement, des fois, il y en a des plus proches que ça. On va continuer de se promener dans la grotte. Il y a peut-être quelqu'un. Non, il y aurait un vaisseau, hein. Ça, c'est pas une roche. C'est pas une roche. Si, il n'y en a pas pour vrai. On va en trouver. Faut que tu regardes dans les coins des murs, tu sais. Ça, tu ramasses pas ça. Ça, tu peux. Ben, il n'y a rien à ramasser. Fait que tu ne ramasses pas. Mais toi, il y a des taches. Oh! Oh, non. Eh ben non, c'était pas une roche. Il y a des trucs à ramasser au sol, mais c'est pas payant. C'est pas payant. Pas bien, bien. Comparé à la roche, là. Non. Mais c'est une vraie plaie, cette roche-là. Il n'y en a pas. D'habitude, j'en trouve une, c'est en rentrant, là. Ah! Hey man, il y a quelqu'un qui a miné il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a passé, man. C'est sûr, il y a trop de morceaux de roche qui traînent. J'espère qu'il J'entends des clics-clics. C'est peut-être genre juste l'effet de roche de. Ah ouais, sûrement. Il y a du bruit, man. Puis là, je regarde, c'est pas le micro en tout, il n'y a pas de bruit, j'entends tout. Ça doit être ça qui craque. J'ai un petit peu nerveux, là, d'un coup. Esti, elle serait bien con, hein? Va faire descendre. Okay, faut que je trouve une roche. Ça fait pas de sens là qu'il n'y a pas de roche. Mais t'as vu qu'il y en avait là? Il y a du monde qui ont. Ça a été miné il n'y a pas longtemps. Ça, tu vois, ça se ramasse là. Ça, là, je suis nerveux un peu. Ah, roche! Fait que là, focus, ok? Regarde. T'as un peu, je vais la revoir. Bon, gars, si j'éteins ça, on la voit-tu mieux? Ouais, ok. Tu vois la roche? Tu la vois bien là? T'en vois pas parce que ma lampe est éteinte. Fait que, ok, check. Tu vois, il y a des petites roches de même, là. Là, tu vois, il y a des genres de trucs verts dedans, là. Fait que ça, ben, il y en a des vertes, il y en a des rouges, des roses, puis genre mauve un peu. En tout cas, il y a trois couleurs, mais c'est toujours des petites pierres, là, comme ça, là. C'est ça que tu cherches. Tu regardes pour être certain qu'il n'y a pas un enfoiré dans ton dos. Bon, là, premièrement, tu sors ton truc, là. Tu te sors le truc. S'il était serré, tu ressors ton truc. 4, 4, 4. Un petit clic droit. Tu t'assures d'avoir mis le Orbit Mining truc. Là, tu fais juste clic droit pour sortir les oreilles. Puis là, regarde, là, ça, tu vois à droite. Bzz, 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 piou, piou. Ça t'a donné la dolivine 0,09, point de fracturation, la stabilité, je crois, là, 7,3. Ouh, ça va être le fun, hein. 7,3 puis 0,2. Une fois que tu as ça, ben à gauche, il y a des lignes qui ont apparu. Là, ils sont pas là parce que je regarde pas la roche. Tu vois la ligne verte? T'en vois pas bien à cause de la lumière. En tout cas, à gauche, il y a une ligne verte puis une ligne rouge. Ah, on va le voir. Si j'éteins ça. Ok, regarde. Tu vois la ligne verte, ligne rouge? Ben ça, c'est là qu'on va s'amuser. Là, regarde, je roule la roulette de la souris. Si tu regardes sur le pistolet au centre, on fait monter la puissance du laser. Donc là, tu vas faire. Clic gauche.
pour tirer la roche. Puis là, à gauche, tu vois la ligne blanche, là? Il y a une ligne blanche qui monte tranquillement. Ben là, on chauffe la roche. Puis ce qu'on veut, c'est amener la ligne blanche entre la ligne... Ben, juste au-dessus de la ligne... juste au-dessus de la ligne verte. C'est là que là, ta souris va se faire aller beaucoup. Parce qu'en plus, elle est instable. Ça va être un peu plus difficile. C'est ça, ça s'approche, ça s'approche. Ça s'approche, ça monte, c'est instable, ça monte par saccade, là, c'est pas le fun. Là, je vais descendre un peu. Tu roules. Là, tu roules par en bas. Roule en bas. Oh, on veut pas être dans le rouge trop longtemps. On roule. Là, je roule en bas, je vais rouler en haut un petit peu. As-tu les chiffres sur le pistolet? Fie-toi pas à ça. Regarde la ligne blanche, là, son comportement. Ah, là, je vais lui redonner de la chaleur. Asti de roche instable. Oh, là, par en bas, 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 par en bas. Qu'est-ce que tu fais? Ok, phew. J'ai eu un petit peu peur. Un petit peu par en haut. Pour la maintenir. Encore un petit peu par en haut. Un petit peu par en bas. Par en haut. Par en haut. Par en bas. Par en bas, par en bas, par en bas. Par en bas. Ouais, par en haut. Par en bas, par en haut. Le pow! Tu vois, la roche a éclaté. Tu appuies sur F. Tu vas récolter les pierres. Tu les ramasses. Là, c'est de la dolivine. C'est pas super. La plus payante, c'est la danite. Mais sois pas. Choisis pas. Sois pas piqué, là. Genre, moi, je vais juste de la danite. Tu vas trouver ça long dans la mine. Tu ramasses les trois sortes de pierres. Tu ramasses tout ce que tu trouves. Puis, c'est ça. Là, elle la veut pas. Donc, on va serrer ça. On aura pas besoin de suite. Tu ramasses ça. Une fois que tu as terminé, ben. Là, moi, je m'en fous un peu, là. Pas venu pour faire de l'argent, tout à fait. Que tu te promènes comme ça dans la grotte, partout. Tu cherches le client. Tu sais, si tu trouves le client, c'est un petit bonus. Si tu trouves pas le client, ben, c'est tant pis. Tant pis. On s'en fout un peu. Et c'est plus payant de miner. Si tu le trouves, ben, tant mieux. Moi, perso, je le trouve pas souvent. Puis là, ben, une fois que... Là, je sais même pas par où je dois sortir. Là, je suis un peu perdu. D'après moi, c'est par là. Fait que une fois que t'as fini tout ça, ben, tu retournes en ville, un admin office. Tu choisis parce que là, regarde, dans ton inventaire, tu vas ramasser des pierres. Là, j'ai pas mon sac à dos. Tu peux en mettre 120 pierres. En fait, tu regardes le milieu, là. Le pourcentage que t'as et tout. Puis, tu vas... pas sûr que c'est ce bord-là, mais... Anyway. Tu vas dans un admin office, tu choisis ton inventaire personnel, celle, clique sur la pierre que tu veux vendre. Puis tu la vends. Puis tu fais plein d'argent. J'espère que c'est par là. Puis moi, je vais retourner au vaisseau, puis c'est ça. Super content. Fait que ça va être la petite vidéo de 28 minutes, 25. Chris, papé, Lou. Tabarouette. Fait que c'était pas par ici. Ça, c'est pas la sortie. Fait que je vais retourner l'autre côté. Je veux pas aller chercher le client, ça me tente pas. Fait que c'est ça. Puis si jamais t'as envie, t'hésites pas, tu suis la chaîne, tu suis Roi des Loups. Tu peux aller aussi sur Discord. Tu nous ajoutes sur Discord. Puis le lien est en bas sur la chaîne. Tu viens de rejoindre, tu viens de jaser. Tu peux venir poser des questions. Puis si c'est ça, tu vas apprendre les bases de tout ça ou comme il faut, en personne, avec un professeur aguerri. Tu peux aller sur le Spectrum de Star Citizen. Puis il y a une section qui s'appelle le System Guide. System Guide. Tu cliques là, puis il y a un guide qui va aller te... Ben, le guide va te saluer, celui que tu as choisi, s'il est là, puis il t'écoute. Puis tu vas faire une session de jeu avec lui, puis t'apprends les choses que... Il va t'apprendre des trucs que tu veux apprendre. Les bases du jeu, mining, touring. Moi, c'est ça. Ça va être c'est le mining. Les bases du jeu, le mining, le touring. Puis les kites. Comment voyager, comment faire des kites. Comment aller à ton vaisseau, chercher ton vaisseau, acheter des vaisseaux. T'as un jeu de vaisseau. Vraiment me perdre. Tu peux t'amener aussi des glow sticks. Fait que, ben, c'est ça. J'ai retrouvé la sortie. Je retourne à mon vaisseau. Puis je vais reprendre le live après, je vais juste aller dire bonjour aux potes. Puis et voilà, on est sorti, on reprend le vaisseau. Tu t'en vas à l'admin office
L'Orville, Levski, Port-Elysor, Grimex, ils achètent toute la roche. Les petits terminals, tu vas vendre ta roche. Puis c'est ça! Fait que merci d'être passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à faire un pouce bleu sur YouTube. Je vais envoyer ça là-dessus. Puis, ben, au plaisir de vous croiser dans l'univers de Star Citizen. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Ciao, public!